I found love in you. And I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is what on dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux me voir en toi. Je suis d'accord, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâté, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer.
révèle juste que le mariage, c'est une union. Une union entre deux individus, un homme et une femme. Deux individus de sexe opposé. Un homme et une femme. Je répète en connaissance de cause. Tout ce qu'on voulait nous faire entendre, voire même écouter, voire même accepter que chez nous, on pouvait accepter les mariages homo. Vous comprenez là où je suis, hein? Non, où c'est le mariage, où c'est pas le mariage. Le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et pas homme, homme, femme, femme, non, homme, chien, non. Donc, un homme et une femme qui se choisissent et se consentent volontairement afin d'établir une communauté d'existence que la loi sanctionne et que les deux ne peuvent pas rompre leur gré. C'est pour vous dire qu'on ne se décide pas de se marier aujourd'hui et rompre le lendemain venu. Cela implique que l'un a des devoirs et des obligations envers l'autre. Étant donné que la vie n'est pas faite que de seules circonstances heureuses, mais également des moments difficiles, c'est faisable. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Les époux se doivent mutuellement affection. Et les époux se doivent mutuellement assistance dans les bonheurs et dans les malheurs. Mutuellement fidélité, moi si mon corps, mon balipé, puisqu'il y a quelques dizaines d'années, la fidélité était seulement exigée à l'épouse. Papa, j'ose moi, mon corps, en attentine, mon corps, et ça, de l'autre côté, et il y a un de mon balipé. Mais si c'est la maman qui prend un cocon avec un tonton, mais c'est son cousin germain, avec les ramifications africaines. Et bien impulsif qu'il est, à pandimé ça, bigogwe bandi, babé nga batata moi si. Non, moi si moko, mobali moko, ti na ti. Mutuellement affection, bolingwa sa sinikite, moi si a linga mobali, mobali pa linga moi si na. Et mutuellement assistance dans le bonheur et dans le malheur. N'a pas si, n'a du sengo, la cause la pape et l'or moko. Bambate, bambou la paix l'équipe, surtout au siècle passé, une épouse qui tombe malade, hospitalisée au mois de février, à l'hôpital de Kitambo, c'est passable. Elle tombe encore malade au mois de juin, hospitalisée à Mamayem. Ça commence un peu. Et au mois de novembre, en clinique, ah non! Il faut que nos tickets pas ma boîte n'aille, sauf qu'à Biki, il y a des hommes. Mais du général au particulier, je parle bien du général au particulier, les arabes, comme on a un papa hôpital, l'hôpital, l'hôpital que moi, si je peux avoir un bain de quoi mon bali, il y a des gens qui sont salés, il y a des gens qui travaillent. Alors que la maman supporte un cas, papa fait un singeli, a supporté un dégueulasse. Mon colonel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous allez me permettre de vous exprimer la joie. La joie combien grande que l'État que je représente ici ressent, ainsi que celle des parents, amis et connaissances qui accompagnent les futurs époux. Et futurs époux venus rendre non seulement public, mais surtout les gars à leur réunion. À vous, futurs époux, je vous présente mes félicitations. Enfin, je vous souhaite un foyer d'amour, un foyer de joie, un foyer de bonheur. Et africaine oblige, hein? Africaine oblige, un foyer de grande progéniture. Merci beaucoup, applaudissez. Je disais tantôt que Bande Konabiso, Bande Kinabiso, Bananabiso, Mazotika groupe C. Ma continue à groupe M. Soko tiki catholique, ok, la protestant, milite, combat. Ou bien, tiki parti, boye, ok, parti, moussous. Ou tiki ONG, boye, ok, ONG, moussous. Chaque siko, ok, les années de règlement d'ordre intérieur. Les années de statut, l'amour, chaque statut. Voilà tout à l'heure, comme ils vont quitter le groupe C. Voilà votre vademécum. Voilà votre évangile, entre parenthèses. Pour ma communion,
Ma solution ya mi kakata. Ma piste de solution. Et comment il y a au code de la famille. Ça c'est la version de 2016. Avant 2016, on utilisait le code de 1987. C'est un code où certains articles étaient déjà tombés, c'est-à-dire, et encore moins zébrés, moins équilibrés. Avant d'apporter un partage de l'article que j'ai choisi pour les circonstances, dans ce Pelakamingi, Kosenga, ma maman Nios, en commençant par moi-même et la lauréate, Nana, d'applaudir pour tous les hommes. Ma maman tombe et elle va le faire. Merci. Eh bien, si l'occasion vous était permise de me poser la question, on se demanderait peut-être pourquoi Tobé Télé va m'y aller, maman. Pour que l'on ait mis en charge. Pour que les arrêts se voient qu'on va la moine, et à moi aussi. Pour que l'on ait mis en charge, nous avons qui voudrait que Dieu soit loué. Non. Maman m'y va aller. Pour que l'on ait mis en charge, qui trouve une femme trouve quoi? Ma maman, bon, on fait ça, n'a qui coupe comme qui trouve une femme, trouve. Comment si vous avez le charge? Au contraire, nous avons le moto à gagner. Ce qui est au bête qui m'a fait pour la moussala, le législateur, le cas qui manda et l'équipe, va s'aller en revisitant le code de la femme. Va battre le code de 1987, quoi que code de la famille, alors que quand on dit famille, on voit papa, maman et enfant. Mais dans le code, wana, il n'y avait qu'un seul acteur, c'est l'homme. C'est le papa, c'est le mari. Alors que, quand on a droit, on a obligation, on a moi si on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de temps, on a un peu de député, on a un peu de temps. Si, elles étaient là, elles sont toujours là aussi, mais à combien? 500 députés, 50 femmes. Pas même les 30% qu'on nous a donné gratuitement. Alors que nous sommes en train de nous époumoner de façon que la présence des femmes ne soit plus timide dans les instances de prise de décision. Bamibali, Bossa, la discussion est forte, Pomo le Bagato, Pesamino, le mois de mars, qu'est-ce que vous cherchez encore? Nous cherchons à ce que vous soyez équilibré, vous avez des gardiens à Bakamoussou, pour Bakamouetambou la Malam. Il est constaté, par exemple, dans les pays nordiques, où il y a les 50-50, 250 hommes, 250 femmes. Bamibeko est dans des pays où la femme est à la République, Bokomona, économie de Bango, Ezaka Kito, PIB de Bango, Ezaka Yakotele. Et vous conviendrez avec moi que la femme agit plus avec son cœur qu'avec sa raison. Et l'homme agit plus avec sa raison qu'avec son cœur. En le mettant ensemble, la pulbi, la mungwa, ce qu'on l'a en moyen, on moko et vous soit. Mais si vous mettez ensemble, vous avez des tomates, sauce wana et vous allez Kito. Pour les niveaux socio-économiques et pour les kito. Alors, c'est pourquoi Topesi est en plus. Et en plus, en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Ceux qui sont en Sénat ou en Assemblée nationale, la majorité est en homme. Ceux qui sont en peut-être les niveaux qui sont en Zouami en faveur de la femme et des enfants qui sont en beauté. La femme étant reconnaissante. À tout moment, il faut savoir dire merci. Voilà les quelques articles que j'ai retenus pour la circonstance. Nabandi, l'article 444. L'article 444 est stipule que c'est le mari qui est le chef du ménage. Évidemment, après avis et considération, et vous mettez là, ah, mais la majorité a décidé que le mari reste le chef du ménage. Alors, comme le mari est le chef, l'épouse est qui? C'est le sous-chef ou l'adjoint. Alors, l'article stipule que c'est le mari qui est le chef du ménage. Ah oui. Mais l'époux et l'épouse se doivent de protection mutuelle. Mais avant 2016, l'article est stipulé. Seul le mari est le chef du ménage, l'épouse lui doit obéissance. Pas même lui peut. Lui doit obéissance. Il y a un moment et c'est mon cassé. Ma papa va demander lui doit wana et Tikali va reconnaître mon bal chef de ménage. Mais attention les hommes, attention les maris, attention les époux.
Vous êtes chef de ménage. Être chef de ménage ne vous donne pas le droit de faire tout ce que vous voulez au nom de l'amour que vous aimez. Vous, il faut tenir compte aussi des autres comme consent. L'article 445, cet article avant 2016, commençait par sous la direction du mari, les époux concourent dans l'intérêt du ménage, assurer la direction morale et matérielle des services. Maintenant, l'article ne débute pas par sous la direction du mari. L'article dispose que les époux s'aiment, que les époux dialoguent, que les époux s'entendent, que les époux se concertent et que les époux se consultent. Parmi les secrets d'un foyer heureux, il y a le dialogue. Puisque nous avons transcendé aussi beaucoup de choses avec la révolution de la modernité, avec le concept genre, avec l'équilibre. À notre époque ou à l'époque de nos mamans, on a vécu beaucoup de dictatures, voire même une dictature scientifique. Si les papas voudraient donner des orientations à la maison, à Kobenga Liboso Bana, maman Bino Azawapi. Mais la maman est à la cuisine, qu'elle vienne. Et surtout celle qui parle français, il faut voir, ils vont jusqu'à utiliser le pléonasme. À partir d'aujourd'hui, désormais, maintenant là dans cette maison, je vous instruis, je décide, je vous ordonne, je, jusqu'à la fin. Il n'y a pas de feedback. Et ce qui était moins bon, que l'épouse était assimilée aux enfants. Elle va découvrir les décisions au même titre que les enfants. Au même titre que les beaux-frères. Si toi, c'est Pelagano, tu as vie à l'obi. Ah, ouais, y a l'obi. Donc, c'est pourquoi il faut d'abord qu'on se rende à Makamuna Bino, la chambre. Après, vous venez rendre ce qu'il faut rendre aux enfants. Bon, ben, donc, quand moi, Makamuna Bino, son année à Bimissi, en gros. Maintenant, moi, Moussa, la Zagli, le papa, je fais ça, ordre. Ah, mais bien, on a Wenza, Vier, Nicolas, Corona, moi. Et aussi, Mbate. Est-ce que nous sommes ensemble, n'est-ce pas? Merci. Unité de commandement. Un problème encore. Gestion collégiale. Unité de commandement, gestion collégiale. Vous avez des orientations à donner, vous avez des punitions à donner aux enfants. Voilà, et Tali dans la Baloréa, OET, et Tali même au bazar des gens à Katia, Liban. Le père a enlevé la punition que c'est lui qui l'a donnée. Yo, où tu papa, où tu vois, pour tu moi, dans la punition, allez, nan, il y a quoi? Viens ici, mon fils. Qui t'a puni? Allez, viens manger avec moi. Au lieu d'entrer dans la chambre, mais cet enfant-là, c'est quoi? Non, on l'a puni. Mais pourquoi? Ça fait combien de temps? 2 heures. Ah, c'est trop. Il y a ça, y a l'eau. Mais si le papa arrive, il prend directement l'enfant. Vous m'excusez, c'est la période. Eh bien, cet enfant-là n'obéira plus à sa mère. Et si c'est la maman, c'est pire. Oh, moi, je n'ai pas de passe. Moi, non, c'est moi qui passe. Cet enfant n'obéira plus à son père. C'est pourquoi consultez-vous. Oh, il y a personne qui m'a la punition. Yewanande, à Kolombo. Nous évoluons avec l'article 446. L'article est stupide. L'article 446 stipule, si l'un des époux est frappé d'incapacité ou s'il est absent, l'autre exerce les attributions prévues dans les articles précédents. Papa Zate Moutoro Kambanda ou maman. Maman Zate Moutoro Kambanda ou papa. Est-ce que tu as eu Nicolas a raison Zate. Il y a 20-30 ans, maman. Un travail bien fait, c'est une prière, c'est un acte d'adoration. Quand on s'en va, on a 6 000 et quelqu'un qui a 6 000 bons. Si on a un infirmier, on a un pharmacien, on a un bénéfice aux oies qui n'ont. Un travail bien fait, c'est un acte d'adoration. Ma Congo, ma Congo, on a dit que tu as marié la moto, on a fait un peu de courrier en ligne de la cité. Non, on a un salam à la moto, on a un sengeli. Tous à la Moussa, tous à Nzambe, Nakati à Libot en Abisson, tous à Nzambe, Nakati à Missala, Oyo, tous à ça. Balobi selon le régime.
En République démocratique du Congo, il y a trois régimes. Trois régimes reconnus dans notre code de la famille. Le premier régime, c'est la séparation des biens. Et d'habitude, j'ouvre une parenthèse à propos. Séparation des biens. Je ne sais pas si les juristes sont là. De quel bien s'agit-il? Séparation des biens, notre tribunal du Panaé. Nous remercions les députés au Balekaki, au Balevoyaki, code de la famille. Article 448. Les talibassi, les bassins ont sauté. Les épouses. Toutes les épouses, ce sont des femmes. Mais toutes les femmes ne sont pas épouses. Tu regardes bien, épouse à Zali Moissi Alibal. Avant 2016, Yosa Moissi Alibal, au lieu que nous avons eu un peu de temps, au lieu que nous avons eu un peu de temps, au lieu que nous avons eu un régime des Osnel commune, il faut brandir un document, mais il y a une autorisation maritale. Nde yango wana bokesi nezala kaya ba femme célibataire mais ba mule les gars qui peut au banotse na kintsoe qui mais on va découvrir yo esa infraction puisque femme mariée azali na droit ya logement te azali na droit ya indemnité ya bana te allocation familiale puisque bazo foute déjà mon bal à moins que ce qui ont aux sala il faut grandir que mon bal na za chômeur maintenant c'est toi qui t'occupe des enfants c'était comme ça. Alors, si quand après avoir considération dans le Parlement et l'équipe, l'autorisation maritale est indispensable. L'autorisation maritale est indispensable. Je croyais que les femmes allaient applaudir. Je croyais que les femmes allaient applaudir. Vous brûlez l'article 445 qui exige la consultation. Et il y a tout le monde qui a le bel à son point. Il y a un rappel à signer. Non. Au Seigneur, il y a bon. Pourquoi? Comment tu as demandé? Où tu as demandé? Avec quel langage tu as demandé? Puisque prière, nous, c'est ça, on a trois réponses. Mais parfois, nous ne savons pas demander. Il y a un autre aussi, c'est ça. Par exemple, ma groupe, ma cabébélé. À toute prière, il y a trois réponses. La première réponse, c'est oui. La deuxième réponse, c'est non. Et la troisième réponse, c'est attaque. Lesquels ont mouvement nous appelons ça qui ont quitté. Et puis, à quel moment c'est qui est? À quelles conditions? Quel était son numéro? Il y a eu tout le monde qui a demandé des explications. Il y a eu comme on n'a pas parti à l'homme, on a comme ça. Ah non, c'est tout à fait normal. Femme avec l'intuition féminine, on sait lire que le corps a eu au monde déjà ce qu'ils ont qui bien. Comme ça, si ça n'a pas été. Alors, il faut savoir demander où, comment, avec quel langage bienveillant. Et le langage bienveillant, c'est un aimant qui attire les cœurs humains. Nous évoluons avec l'article 453. L'article 453 stipule que les époux sont appelés à vivre ensemble. Et dans, il faut brandir un acte juridique. Acte wana, c'est l'acte de mariage. Signé par l'officier de l'état civil, contresigné par le procureur général de la République. Yoza na ngote. Vous vendez 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous votez votre ami. Vous avez ma bande. L'air à quoi le bazar, vous avez vraiment ma bande à bango, vous avez photocopié à papa à bango. Vous avez dit, non, les enfants ne sont pas une preuve. Mais si vous prenez un nino, preuve est en mode. L'acte de mariage. Ce que vous avez entendu, c'est que vous avez entendu que vous avez entendu. Après, si vous avez entendu, vous avez entendu papa. Vous avez entendu, vous avez entendu, monsieur le juge, il y a quoi ici? Mais votre épouse avec les enfants. Ah non, monsieur le juge, hein? Ce n'est pas mon épouse, c'est la maman de mes enfants. Ah non, vous avez entendu, Balindo, qui est solo. Ah non, vous avez entendu. On peut être maman des enfants et ne pas être son épouse. Il peut être tata yabana et ne pas être votre mari. Attention à la présentation de ma peau qu'on a faite partout. Si on va se présenter au maman yabana, il faut vite corriger, surtout que vous avez grossi et que pété kenda, à mon Dieu, on a le bien. Azaleka yabato vani. Natia yabato vani.
Est-ce que je me fais comprendre, hein? Oui. D'accord, merci beaucoup. Applaudissez pour ça. Bien, merci. Vous venez de suivre des articles qui sont tirés sur le corps de la famille. Maintenant, nous allons passer à Leandro Coutinier. La personne qui a perçu la dot, il s'agit de Mestribila de Sampo. Dans mon temps, c'est $2,500, équivalent en francs congolais. I found love in you, and I've learned to love me too. Never have I felt that I could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love. Regardez-vous en face. Ne vous quittez pas Dieu, s'il vous plaît. Monsieur Kazadi Mulenda Zadou. N'est-ce pas vous? Ok, je vais vous poser une question à laquelle vous allez répondre par un oui ou bien par un non. En répondant par non, nous allons vous applaudir et quitter le lieu. Mais si vous répondez par oui, c'est plus mieux. Nous continuons la cérémonie. Je vais poser la question. Monsieur Kazadi Mulenda Zadio. Oui, Zadio. Vous nous rassurez que vous êtes en train de prendre Mademoiselle Biladi Nana, ici présente, comme votre épouse. Oui. Applaudissez. Merci beaucoup. Et mademoiselle Biladi Nana, regardez-les en face. Les aïeux, hein? Oui, vous acceptez de prendre, monsieur. Kazadi Mulenda, ici présent comme votre époux? Oui. Merci. Oui. Petit cadeau. On a pété. Non, regardez-vous toujours. Ok. On a fait des poils. Je profite pour nouer cette alliance par ces signes de la bague à la main gauche. Et je te dis un seul mot, merci et je t'aime. Je t'appelle toujours Papouche. Papouche. L'homme capable. Oui.
Je te promets d'être. Could be all that you see. It's like our hearts have intertwined into the perfect harmony. This is why I love you. Ooh, this is why I love you. Because you love. In you, and no other love will do. Every moment that you smile chases all the pain away. Comment démontrer, bowling ou non, on a vu nanga moana. Alors que j'étais pécheur, ya ya nanga, tu es mort sur la croix. Nami tu nani ni na sala, na yebite, tu trouves tes raisons en toi-même. Nazo koka te kobumba, te moyo et matina mote manangai. Yo tika kinga ite, yo loba kinandai. Amour Simba Elikia, yo tombo la bengai, kole kamakanisi, nanga le plus fou. Quand tu chuchotes à mes oreilles, na yo kakangoneti, vraiment n'abimi ma papou. Histoire n'a biso d'amour, et qu'on s'y la lelote, tina éternité. Oh. T'appartiens, tu m'appartiens, échange acte, fais qu'on s'y la wateo. Amour na yo, elle est qui dou, ma faute anzo, yé qu'on pour sanateo. Yo kota tina mi koua, yo satura ba pense nan gagnon son. Yo tika ki nga ite, yo lo ba ki nanga, amour simba elikia. Yo tombo la pengai. Collega Makani, si nanga les plus fous. Quand tu chuchotes à mes oreilles, na yo kakane, tinabimi ma papou.
histoire d'un biseau d'amour et qu'aussi la lélote est une éternité. Nandimi yoko tikate yoko zala nanga kinosuka. Vraiment jamais jamais yoko boakisa atana kwei yoko tombola. Ba plonyo soya diable échoua. Même na accident nabima vivant. Bolingo na yonde e perturba. Ba calcul nanga vraiment je suis conquis. Quand tu chuchotes à mes oreilles, histoire d'un biseau d'amour. Vraiment nazimi. Parce que lui nous a aimé le premier. Jésus notre amour. Jésus notre amoureux. Bolingo Motema. Beauté Image, le meilleur de Paris. Le spécialiste de l'événementiel. Pour la réalisation de vos reportages, photos, vidéos, la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baptême, retrait de deuil ou autres circonstances festives, le service traiteur, location et décoration des salles, adressez-vous chez les professionnels. Beauté Image. Rendez-vous au 70 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis, en région parisienne. Contactez votre partenaire de confiance au 0033 752 96 04 73. À Kinshasa, RDC, Beauté Image au 0243 823 13 47 06. Beauté Image, les spécialistes de la photo vidéo. Beauté Image, le travail au service de l'homme. Beauté Image. Beauté Image. Mosala et Zanaba Kolonengo. Beauté Image. Tobateli Kimia.